Je suis très heureuse et très honorée d'accueillir ce soir dans cette résidence de France qu'il connaît si bien, la cérémonie de remise des insignes de commandeur dans l'ordre national de la Légion d'honneur au sénateur Serge Joyal. La Légion d'honneur est l'une des plus hautes distinctions de la République et notre premier ordre national depuis 1802. Elle symbolise la reconnaissance de la France pour les mérites éminents acquis au service de la nation ou des causes qu'elle défend. Dans votre cas, monsieur le sénateur, cher Serge, cette décoration vient récompenser un engagement indéfectible au bénéfice de l'amitié entre la France et le Canada. Depuis vos études à Strasbourg, en 1972, vous avez gardé pour la France un attachement jamais altéré qui a nourri votre action tant publique que privée. Je ne me risquerai pas à dresser la liste exhaustive de l'ensemble de vos réalisations ou de vos mérites que vos amis présents dans cette salle connaissent et qui ont déjà été célébrés lorsque vous avez été nommé chevalier en 1995, puis promu officier en 2008 de la Légion d'honneur. Mais permettez-moi quand même de revenir sur quelques temps forts d'une impressionnante carrière qui fut la vôtre, guidée par l'engagement, la générosité et la passion. L'engagement d'abord en politique, bien sûr, puisque vous êtes illustré dans les organisations étudiantes québécoises et vous avez milité pour la création d'un réseau collégial et universitaire public et gratuit pour tous. Vous débutez votre carrière sur la colline du Parlement en 1974 avec une première élection à la Chambre des communes. Vous avez alors 29 ans, une longue carrière s'ouvre à vous. Député pendant 10 ans, vous serez tour à tour secrétaire parlementaire du président du Conseil du Trésor, ministre d'État, ministre responsable du statut de la personne handicapée, puis secrétaire d'État du Canada. Vous fonderez le comité permanent mixte des langues officielles et co-présiderez le comité mixte chargé du rapatriement de la Constitution du Canada et de l'adoption de la Charte des droits et libertés. Acteur et grand témoin de l'histoire moderne du Canada, c'est donc tout naturellement que vous êtes recommandé par le Premier ministre Jean Chrétien pour intégrer le Sénat en 1997. Depuis cette date, vous n'avez cessé de mettre à profit votre connaissance des lois et votre extraordinaire capacité de travail pour défendre et faire progresser les droits et les libertés de vos concitoyens. Avocat émérite, vous n'avez d'ailleurs pas hésité à intervenir à plusieurs reprises et à titre personnel devant les tribunaux canadiens pour défendre les causes qui vous sont chères. Avec votre départ dans quelques semaines maintenant, le Sénat perdra l'un de ses brillants émissaires, mais je suis sûre que vous poursuivrez vos combats et continuerez à veiller au respect des personnes, des cultures et des langues, qu'elles soient officielles ou autochtones. De nombreuses personnes n'ont malheureusement pas pu se joindre à nous ce soir, mais plusieurs ont tenu à vous envoyer des messages témoignant de leur reconnaissance à votre égard. Je citerai évidemment le Premier ministre Justin Trudeau que je cite. « Votre expérience et votre parcours remarquable témoignent de votre leadership et des efforts que vous avez déployés à servir l'intérêt public. » Je voudrais également citer mon amie et collègue Isabelle Hudon, ambassadrice du Canada en France, qui vous a adressé également un mot de félicitations. Mais au-delà de votre engagement politique, ce qui vous définit, mon cher Serge, c'est votre générosité et votre volonté de préserver et de diffuser la culture. Grand collectionneur d'art, vous avez mis votre temps, votre érudition et vos moyens au service de nombreux musées canadiens. Vous avez été le premier président francophone en 1972 de la Société des musées québécois, le directeur de l'Association des musées du Canada, le cofondateur et vice-président du musée d'art de Joliette, et vous êtes désormais membre du conseil d'administration du musée des beaux-arts de Montréal.
mécène et bienfaiteur. Vous avez collaboré et soutenu plusieurs événements culturels d'importance et une multitude d'expositions qui ont circulé au Canada. Vous avez enrichi les collections de nombreux musées avec des artefacts et des objets d'art historique et présidé bénévolement des ventes aux enchères pour venir en aide à des organismes et des fondations caritatives. Ardent protecteur de l'art et du patrimoine, vous avez fait restaurer et classer plusieurs bâtiments anciens menacés et vous plaidez régulièrement pour la protection et la réfection d'édifices patrimoniales à Montréal et ailleurs au Québec. Engagé et généreux, cher Serge, vous êtes surtout passionné. Vous êtes un grand spécialiste du droit parlementaire et constitutionnel. Vous avez partagé votre savoir dans d'innombrables publications, mais vous êtes aussi, et peut-être avant tout, féru d'histoire. Et c'est sans doute dans cette discipline que votre intérêt pour mon pays s'exprime le plus souvent. Je pense bien sûr à vos travaux de recherche remarquables sur les relations entre la France, le Canada et le Québec en 2008, ou sur le mythe de Napoléon au Canada français en 2013, démontrant l'influence de l'empereur, notamment dans le domaine juridique et le code civil. Dans la foulée de cet ouvrage, qui a donné lieu à un documentaire diffusé sur Radio-Canada, vous avez d'ailleurs mêlé art et histoire en parrainant une exposition intitulée « Napoléon, art et vie de cour au Palais impérial », présentée au Musée des Beaux-Arts de Montréal et au château de Fontainebleau. Mais je pense également à votre investissement dans les commémorations du centenaire de la Première Guerre mondiale. Ambassadeur de la Fondation Vimy, vous avez œuvré pour la création du Centre d'accueil et d'éducation, inauguré en 2017, à l'occasion du centenaire de la bataille des Crêtes de Vimy. Vous avez contribué à la construction du monument commémoratif de la bataille de la Côte 70 à Los-en-Goël et organisé un symposium sur le Canada et la France dans la Grande Guerre, qui s'est tenue au Parlement du Canada en 2014 et également à l'Assemblée nationale française en 2015. Cette excellente conférence, centrée sur l'impact que la guerre de 1914-1918 a eu sur les populations françaises et canadiennes, a d'ailleurs donné lieu à un ouvrage éponyme, récompensé par le prix Samuel de Champlain de l'Institut Canada-France. Enfin, sans votre aide précieuse, le très beau livre sur cette magnifique résidence, célébrant le 90e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la France et le Canada, n'aurait pas pu voir le jour. Toutefois, au-delà de la France, cher Serge, c'est de la francophonie dans son entier que vous êtes l'ami le plus proche, amoureux de la langue française. Vous avez déclaré dans une entrevue publiée sur le site du Sénat, je cite, « Je suis ce que je suis parce que je parle français. Si vous ne maîtrisez pas votre propre langue, il est difficile de définir votre identité, vos racines ancestrales, votre spiritualité, votre imagination et votre vision du monde. » Au cœur de votre engagement et de votre parcours, cette langue qui n'appartient à aucun d'entre nous, mais qui est la propriété de tous, comme le rappelait le président de la République Emmanuel Macron au sommet de la francophonie en 2018, est aussi au cœur de votre amitié pour mon pays. C'est pourquoi ce soir, la France souhaite à son tour vous dire toute son affection et sa profonde reconnaissance. Serge Joyal, au nom du président de la République, nous vous remettons les insignes de commandeur dans l'ordre national de la région de Montréal. Permettez-moi d'abord de remercier bien respectueusement Madame l'ambassadrice Karine Lispal pour son amitié, pour sa généreuse présentation à mon égard et pour son hospitalité chaleureuse.
et bien sûr le président de la République française, M. Emmanuel Macron, d'avoir accepté de m'élever au rang de commandeur de l'Ordre national de la Légion d'honneur. Je voudrais bien sûr également remercier M. le Premier ministre Justin Trudeau pour sa lettre de félicitations. Le Premier ministre, comme vous le savez, étant retenu à Londres pour la réunion de l'OTAN. Chers amis, ces insignes de commandeur, ils incarnent des valeurs. Ils reflètent en quelque sorte un destin et ils accompagnent une histoire. C'est ce que je souhaite vous présenter ce soir en quelques mots. C'est une distinction exceptionnelle qui m'est octroyée, mais qu'à vrai dire, il m'importe surtout de partager avec grand bonheur avec vous tous. Nous avons, chacun d'entre nous, un lien particulier avec la France. Des souvenirs, une expérience personnelle, une émotion, un moment de ravissement que nous voulons certainement tous célébrer ce soir. J'étais à même de me convaincre qu'il ne fallait pas se distancier de la France, mais plutôt faire valoir l'héritage français au Canada. Pas seulement l'héritage de la Nouvelle-France, celui avant tout de la philosophie humaniste des Lumières, de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de la conquête de l'indépendance critique de l'esprit, de la lutte contre la barbarie et pour la civilisation, surtout lors des Premières et Deuxièmes Guerres mondiales, l'héritage de la règle de droit contre le totalitarisme, de la raison contre les impulsions, de la connaissance contre l'ignorance, et enfin, d'une certaine idée de l'homme ancrée dans la conviction que sans liberté, il n'y a pas de réelle aventure humaine. Je me suis mis ainsi à découvrir ce que le Canada contemporain partageait avec la France et ce que la France représentait pour le Canada et comment les idées françaises avaient impulsé, soutenu et inspiré le développement de mon pays. Je constatais alors que la culture était politique et que la politique était culture. À cette époque, le Canada et le Québec basculaient dans la modernité matérielle et culturelle. Les talents des scientifiques, des artistes, des architectes et autres créateurs d'ici éclataient au grand jour dans les films, au théâtre, dans les romans, sur la scène, nous surprenant par leur création, comme si pendant des décennies, tous ces talents avaient incubé silencieusement, tous prêts à éclore en même temps. Les cinéastes Denis Arcand, David Cronenberg, Atom et Goyan, Xavier Dolan sont reconnus à Cannes. Les auteurs Anne Hébert, Marie-Claire Blais, Margaret Atwood obtiennent des prix littéraires convoités. Daniela Ferrière est entré à l'Académie française. Le peintre Jean-Paul Riopel enregistre des records de vente à Paris. Les chanteurs-compositeurs depuis Félix Leclerc comme Robert Charlebois, Gilles Vigneault, Leonard Cohen, Marie-Jo Thériault voient leurs chansons toucher toutes les générations. Les metteurs en scène Wajdi Mouawad et Robert Lepage s'imposent à Avignon et à Paris. Le Canada, le Québec et l'Acadie apportent plus que jamais une contribution originale, forte et dynamique à la culture que la France fait sienne avec enthousiasme. Mais la France, pour moi, est bien plus qu'un vaste auditoire ou un immense public pour accueillir les œuvres de nos créateurs. Elle est pour moi bien plus qu'un grand marché pour nos ressources naturelles. La France est avant tout une expérience humaine, intellectuelle, culturelle, historique, dont je suis, dont nous sommes tous les porteurs. La France est une expérience de civilisation qui a produit et continue de produire des chefs-d'œuvre de réflexion et de pensée, d'écriture et d'architecture, d'art et de musique, de découvertes scientifiques auxquelles nous sommes tous intimement rattachés afin de pouvoir affronter les défis planétaires de l'heure en environnement, en sécurité, en humanité, au moment où la haine, la peur de l'autre, l'indifférence exacerbent les identités nationales qui deviennent alors des barrières de crispation ne pouvant mener qu'à un désastre humain. Selon moi, il y a pour les Canadiens un grand espace intellectuel et culturel à partager et à construire avec la France, puisque le fondement des valeurs canadiennes et françaises est commun, c'est-à-dire celui de la nature émancipatrice du savoir,
dans une ère intellectuelle large, ouverte, où la pensée peut trouver facilement à se renouveler face à un monde en perpétuelle redéfinition. Surtout dans l'exploration des multiples avenues de l'art qui nous amènent à l'intérieur de nous-mêmes pour nous faire découvrir notre réalité, celle-là davantage transcendante et universelle. Ce qui m'a toujours importé comme parlementaire pendant toutes ces années aux communes et au Sénat, c'était d'abord de fortifier le statut de la langue française en faisant de la reconnaissance du principe d'égalité de droits et de privilèges de cette langue l'une des pierres d'assise de l'identité du pays. C'est ce qui m'a incité à entamer des procédures judiciaires dès 1976 et à contribuer directement en 1982 à inscrire l'égalité du français dans la loi fondamentale du pays pour toujours et à retourner l'été dernier devant les tribunaux pour en parachever le caractère essentiel. Ce faisant, le Canada s'ancre, s'inscrit formellement dans cet espace de civilisation d'expression française qui est essentiellement un espace d'humanisme à partager avec le reste du monde. Cette solidarité avec la francophonie représente pour le Canada une opportunité exceptionnelle ouverte sur un monde pacifique nourri par la confiance mutuelle. Il m'est aussi apparu nécessaire d'entreprendre de multiples initiatives pour explorer tout le potentiel d'expérience et de mettre en valeur tous les lieux qui ont amené nos deux pays à accepter de mettre la vie de leurs concitoyens au service d'une conception de la liberté et du droit contre le totalitarisme et la suggestion. Ce lourd tribut, chers amis, il est visible et toujours présent dans les cimetières militaires de la Somme et de la Normandie, où reposent aujourd'hui pour toujours des milliers de nos soldats canadiens disparus. En fait, notre identité commune tient à un seul filon, soit à la mémoire de notre histoire qui continue de se développer, et aux œuvres de notre culture qui s'expriment dans tous les milieux. Il m'importe enfin de favoriser toutes les occasions de rapprochement où les réalisations du génie humain produites par des Canadiens ou des Français trouvent à s'exprimer et de faire valoir le mérite et les avantages qu'il y a à se côtoyer et aussi à s'émuler. Il y a dans cette proximité les conditions fécondes à l'appréciation de la différence et de la multiplicité des expressions de la pensée qui ne peuvent que témoigner des inépuisables ressources de la créativité favorisées dans une ère de liberté. Chers amis, faire circuler la pensée, c'est s'éloigner des préjugés, c'est décupler notre élan de liberté. Cette approche, fondée sur les véritables valeurs humanistes qui définissent nos deux peuples, se situe bien au-delà des contingences politiques du jour ou des contextes particuliers où nos deux pays peuvent à l'occasion avoir des positions divergentes en tout égard à nos souverainetés respectives. Et ce qui confronte aujourd'hui la France et le Canada, à savoir la gangrène du terrorisme, dont la France a été trop souvent victime, gangrène qui déstabilise plusieurs pays et régions à travers le monde et menace tout autant le Canada. On en a été les témoins malheureux tout près d'ici au Parlement il y a 5 ans avec le sacrifice du caporal Nathan Cirillo. La domination des grandes plateformes numériques par un seul pouvoir qui sabote la création et la démocratie, la délocalisation des profits et des bénéfices au-delà du respect du principe d'équité qui fonde le vouloir vivre en commun et le pari démocratique dans une société apaisée. Tous ces défis ne peuvent véritablement être affrontés de manière isolée de part et d'autre de l'Atlantique. Au moment où le nivellement des référents culturels est imposé comme une charte de paix par les titans du numérique, où l'espace de liberté d'expression se rétrécit constamment, où l'opinion se polarise dans des pays jusque-là perçus comme des aires de liberté sous des dictatures de formes nouvelles, notre avenir ne peut être garanti que si nous fortifions nos valeurs humanistes communes, que si nous partageons nos ressources de résistance et que si nous utilisons toutes les tribunes et tous les forums pour rallier les autres pays à l'encontre d'une culture qui se veut hégémonique
et pour faire entendre nos voix jointes et nos convictions fondées sur le respect des libertés et la dignité égale des personnes sur toutes les tribunes du monde. J'ai tenu pour principe à travers toutes ces années que le Canada peut s'engager profondément et de manière tout à fait originale et responsable à défendre des objectifs humanistes protégés par la règle de droit, garantis par une charte d'avant-garde en tout lieu où les intérêts géopolitiques de la France et du Canada trouvent à s'exprimer ensemble. Le Canada et la France se retrouvent sur la scène du monde où leurs engagements partagés fortifient leur résolution à défendre une conception de l'homme fondée sur l'égalité en droit de chaque personne et sur le raffermissement de la noblesse de sa dignité. Dois-je le rappeler? Le mérite de cet honneur qui m'est octroyé ce soir ne me revient pas uniquement. Il est aussi dû à ceux et celles qui m'ont accompagné, assisté, pendant toutes ces années en France et au Canada. Tout d'abord, bien sûr, à ma famille immédiate et à la personne avec qui je partage la vie, mais aussi à mes anciens et actuels proches collaborateurs au quotidien, venus d'ici et d'ailleurs, dont plusieurs sont présents ici ce soir. Leur origine vous étonnera. Des citoyens français de l'île de la Réunion, du Sénégal, ou encore d'origine arménienne, hongroise, philippine, ils ont tous personnellement, ou leur proche parenté, fait du Canada leur terre d'élection, comme Jacques Joyel l'avait fait lui-même il y a 360 ans. Cet honneur qui m'est décerné ce soir par la France est en fait, chers amis, un témoignage d'appréciation de la voie qu'a empruntée le Canada, voie des valeurs humanistes et de la règle de droit qu'il défend sans relâche pour contribuer à la construction d'un monde faisant le pari de l'avenir d'un homme libre. Mamido Sewin, en algonquin, langue que parlait Jacques Jouyel, c'est-à-dire marcher ensemble vers une destination commune. Madame l'ambassadrice, à notre amitié indéfectible, vive la France et vive le Canada.